chose de mystérieux là-dedans. Je croyais les avoir vus bouger. Excellence, autant de jugement que de barbe au menton, tu n'aurais pas, à la légère, descendu dans ce puits.
Or à Dieu. J'en suis hors. Tâche de t'en tirer. Et fais tous tes efforts. Car pour moi, j'ai certaines affaires qui ne me permettent pas d'arrêter un chemin. En toute chose, il faut considérer la fin. Thank you.
sommes plus en querelle. Paix générale, je viens te l'annoncer. Descends que je t'embrasse. Ne me retarde point de grâce. Je dois faire aujourd'hui 20 postes sans les tiens. Et toi pouvoir vaquer. Sans nulle crainte à vos affaires. Nous nous y servirons en tant frère. En attendant, viens recevoir le baiser d'amour fraternel. Ami, rien pour voir une chose que celle de cette épée. Et ça m'est un double plaisir de la tenir à toi. Oh, je vois d'ici deux lévriers qui, je pense, sont envoyés. Et seront dans un moment à nous. Je les sens. Nous pourrons nous entrebaiser entre nous. Adieu. Ma traite est encore longue à faire. Nous nous réjouirons du succès de l'affaire une autre fois. Le galant, aussitôt, tire ses grègues, gagne haut, mal content de son stratagème, et le trou du coq en soi-même se mit à rire de sa peur. Car c'est de mon plaisir de tromper le trompeur. Dame Belette, au corps long et floué, entra dans un grenier par un trou fort. Elle sortait de maladie, là, vivante à discrétion. La galante fit cher lit, mangea, rongea, Dieu, c'est la vie, et le lard qui périt en cette occasion. La voilà pour conclusion, grâce m'afflue et rebondit. À la fin de la semaine, après avoir dîné à son sou, elle entendit quelques bruits. Veut sortir par le trou, ne peut pas repasser, et croit s'être méprise. Après avoir fait quelques tours, eh bien, c'est l'endroit. Me voilà bien surprise. J'ai passé par ici depuis 5 ou 6 jours. Un rat, qui la voyait en peine, lui dit. Vous êtes idiot, la France un peu moins pleine. Vous êtes maigre entrée, il faut maigre sortir. Ce que je vous dis là, allons le dire à bien d'autres. Mais ne confondons pas, n'est pas à propos dire. Leurs affaires et les vôtres. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon,
vaut bien un fromage, sans doute. Ouais. Le corbeau. Pourtant, mais quoi? On jouera mes amis. On a les trompes. Il parlait d'un jeune lapin, d'un belette, un bon matin s'empara. C'est une rusée. Le maître étant absent, ce lui fut chose aisée. Elle porta chez lui ses pénates un jour qu'il était allé faire à l'aurore ses cours parmi le thym et la rosée. Après qu'elle eut brouté, trotté, fait tous ses tours, jaloux lapin retourne au souterrain ses jours. La belette avait mis le nez à sa fenêtre. Que vois-je ici paraître? Dit l'animal chassé du paternel logis. Oh là, madame la belette, que l'on déloge, sans trompette, où j'avertis tous les rats du pays. La dame en est pointue, répondit que la terre était ton premier occupant. C'était là un beau sujet de guerre, qu'un logis où lui-même il n'entrait qu'en rompre. Et quand ce serait un royaume, je voudrais bien savoir quelle loi on a toujours fait l'octroi à Jean, fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume, plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi. Ce sont leurs lois qui montent de ce logis, rendu maître et seigneur, et qui de père en fils, l'ont de Pierre à Simon et à moi, Jean, transmis. Le premier occupant, est-ce une loi plus sage? Or bien, sans prier davantage, rapportons-nous à Rami la brebis. Soigneux d'eux, il vint à des parties d'importance. La belle les trouva trop chétives de moitié. L'autre avait le nez fait de cette façon-là, c'était ceci, c'était cela. Après les bons partis, les médiocres gens vinrent se placer sur les rangs. Ma personne.
chagrin, quoi qu'en solitude. Un an se passe, puis deux, avec inquiétude, le chagrin intention. Ses soins ne purent faire qu'elle échappa au temps. Cet insigne là, son miroir lui disait: prenez vite un mari, prenez vite un mari, prenez vite un mari. Je ne sais quel désir le lui disait aussi. Celle-ci fut un choix qu'on n'aurait jamais cru. Se trouvant à la fin, toute aise et toute heureuse, de rencontrer un malotru.